Les 4, 5 et 6 novembre dernier, l'hôtel de ville de Puteaux accueillait pour la première fois le salon du chocolat et des saveurs. Les 6350 visiteurs ont vécu des instants de plaisir et de découverte gustatif autour des stands et des ateliers culinaires proposés tout le long de ces journées gourmandes. Le gâteau, on va le cuire au micro-ondes. Donc il va monter très très vite. Il va vite cuire. Et en fait, ça va faire des grosses auréoles. Et quand on va le couper, ça va ressembler à une éponge. Et ça va être super léger en bouche. Ça marche? T'as du coup? En point d'orgue du week-end, le concours de pâtisserie opposant 21 pâtissiers rivalisant de créativité pour mettre en valeur la star du salon, le chocolat. Du coup, il fallait revisiter le chocolat, donc je suis partie de plusieurs recettes que j'aime bien. Donc une crème chantilly au chocolat blanc avec de la vanille, une coque au chocolat au lait et une ganache au chocolat noir. Et des fruits pour relever un petit peu le goût. J'adore la pâtisserie, c'est génial. Travailler le chocolat, c'est encore plus... C'est magnifique, c'est extra. Un événement qui aura fait le bonheur de tous les gourmands, petits et grands, fins gastronomes ou amateurs de douceur.